Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Hola a todos, espero que estén bien. Bonjour Brenda, bonjour Luz Marina, bonjour Lady, bonjour Claudia. Bonjour Hugo, comment ça va? Bueno, estoy hablando con Arthur, que me dijo que tuvo problemas logísticos la clase pasada porque tuvo un problema con su computador. Bueno, él está solucionando estos problemas y el jueves de la próxima semana, que tiene clase con ustedes, porque Alejandra tomó unas pequeñas vacaciones esta semana y yo las tomo la próxima, va a terminar el tema con ustedes. Así que espero que la pasen bien con Arthur. Tenemos distintos estilos, pero bueno, espero que ustedes aprecien la diferencia de estilos que también hace la riqueza de las clases con diferentes profesores. Donc, ¿cómo ça va? ¿Qué es que vous racontez? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les está yendo mientras llega todo el mundo? Bonjour Bernardo, no sé si ya había dicho Hugo, bonjour Ana, Thibaut Ana, Claudia, Lady, Luz Marina, Brenda, vuelvo a decir hola a todo el mundo. Tengo un poquito de calor que corrí para llegar a clase. Donc, aujourd'hui, nous avons trois thèmes principaux, on va le voir tout à l'heure, mais l'idée c'est de vous montrer les thèmes d'aujourd'hui et avancer un peu plus sur les connaissances de certains thèmes grammaticaux. Ok, donc, comme première chose, nous allons voir, bon, d'accord, comme d'habitude, nous avons le blog cursodefrancés-cnu.blogspot.com y recuerden nuestro Moodle. Linkedin.fr/français. Recuerden que no necesitan inscribirse, ingresen como invitados y pueden ver todo el contenido. Pero si quieren hacer preguntas, mejor se inscriben. Esta semana no he tenido mucho tiempo para mirar las preguntas, pero prometo que este fin de semana miraré todas sus preguntas. Así que pregunten. Donc, recuerden que si la séance 38. La semaine 19 sur 24. Esta es la última clase, la semana 19, lo que significa que vamos a tener 5 semanas a partir de la próxima semana para terminar el curso. Solo 5 semanas. Y recuerden que terminamos el 16 de diciembre. Como siempre, Alejandra hace los cursos de los martes, yo hago los cursos del jueves, pero el jueves próximo está Arthur, que hace el curso con ustedes. Y recuerden, y es muy importante hoy, vamos a ver por qué, nos partenaires, c'est LinkAid, notre asociación, y Colombia nos une. ¿Por qué es importante esta parte hoy? Porque hoy vamos a hablar de la vida asociativa. ¿Qué es lo que es LinkAid? Una asociación que es toda una cultura en Francia. Va a ser un tema cultural, pero vamos a ver gramática también. Ok. Donc, on va voir la vie associative et on va parler des projets, on va parler de futur. On va voir la deuxième partie du futur. Donc, ¿qué no encontraste, Ana? Que veo, no veo que no encontraste. Ok, bueno. D'abord, bueno, luego te responderé, Ana. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème très important qui nous tient à cœur, parce que c'est la vie associative. La vie associative en France, c'est toute une culture. Et je vais vous présenter quelques particularités de la vie associative. Donc, ¿por qué nos
como se dice en francés, tenir à cœur es ser muy importante para nosotros. Tenir à cœur. La vida asociativa, ¿por qué es muy importante? Porque LinkedIn es una asociación y porque la idea de la vida asociativa es ayudar a las personas y tener como una presentación de culturas, tener una difusión de varios temas, pero también es ayudar a la gente. ¿Y por qué es importante? Porque en Francia es muy, 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 muy normal que la gente participe en asociaciones. ¿Ok? Y eso les puede ayudar, por ejemplo, para los que están en Francia, si algún día quieren aplicar para la nacionalidad, tener una vida asociativa puede ser un punto extra que les puede dar para aplicar para aplicar a la nacionalidad. ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante. Donc, en France, ce sont des chiffres de 2019, je crois. Son cifras del 2019, más o menos. En France, il existe 13 millions de bénévoles. 13 millions sur 65 millions. Más o menos, la población de Francia son 65 millones. Y de esos 65, 13 participan en la vida asociativa. Bénévole, c'est une personne qui travaille gratuitement. Okay? Ce n'est pas des salariés, non. C'est des personnes qui, à la limite, maximum, perçoivent une indemnisation, c'est-à-dire une petite quantité d'argent. Okay? Ce n'est pas un salarié, parce que ça, c'est un statut légal différent. Mais en France, il y a 13 millions de bénévoles. Et il existe tout type d'associations. Vous trouvez des associations sportives, vous trouvez des associations artistiques, éducatives, religieuses, de plein, plein, plein de domaines différents, économiques, etc., etc. Donc, l'association, c'est un sujet important pour les Français. Mais pourquoi faire partie d'une association, vous me direz? Pourquoi? Parce que faire partie d'une association, c'est se rendre utile à la société. Parce que grâce au travail associatif, nous aidons à aider la France à aller au-delà, à avancer. OK? Ça, c'est très important en France. J'espère qu'en Colombie aussi, vous participez à la vie associative. Je sais que no está muy en nuestra cultura de participar en la vida asociativa, pero espero que en Colombia coja mucha fuerza porque hay muchas asociaciones que hacen cosas muy diferentes. Vamos a ver qué hacen algunas asociaciones. On peut faire partie d'une association pour aider les autres, et très important, pour développer de nouvelles compétences en même temps. C'est très valorisé dans le CV. Okay? Les CV, c'est la hoja de vida. En France, par exemple, pour les universités, pour le travail, dans les grands groupes, si vous avez une expérience associative, vous avez quelques points extra pour intégrer ces institutions. Ok. En Francia es muy importante, tan importante que muchas universidades, por ejemplo, universidades que son de élite, como Paris-Saclay, como las grandes escuelas de comercio, de todo este tipo de grandes instituciones, incluso algunas grandes empresas, si ustedes participan en la vida asociativa, tienen puntos extra. Y puede ser la diferencia entre dos candidatos. ¿Ok? Donc, c'est très important de faire partie. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie aide, la partie aider les autres, la partie humanitaire. Il y a aussi la partie expérience et compétence. Ça aide beaucoup
pour justifier un poste. OK? Mais pour faire partie d'une association, il faut avoir de la volonté parce que c'est pas facile, hein. Je peux vous le dire, c'est pas facile. Il faut avoir du temps et il faut avoir des compétences, OK? Afin de faire partie d'une association. C'est pas n'importe qui fait partie d'une association. Il faut beaucoup de travail pour pouvoir appartenir à une association. OK? Donc, il y a quelques mots que je vais vous faire voir. Pourquoi? Parce qu'on va voir pourquoi. Hay algunas palabras que les puse en rojo, pero quiero que miren, que traten de identificar y después vamos a ver por qué. Es importante, ¿eh? Mientras tanto, respondo preguntas. Ah, no están subidas las clases 35, 36 y 37. Ah, muy extraño. Yo publiqué la clase la semana pasada. Quizás hay un problema con el Moodle, un pequeño problema de nuestra parte, un pequeño reglaje que no cambiamos, porque normalmente podemos poner el contenido sin hacerlo público. Quizás fue eso lo que nos falló. Bueno, esta noche reviso y vamos a ver qué hacemos para poner las clases en línea. Ok, donc, regarde bien. Pourquoi? Parce que, pour, afin de. Ok? C'est important. Ok, ok. Regardez bien, essayez de comprendre. Miren bien cómo están escritas y qué hay después. Eso les puede servir. Ah, très bien, Hugo. Hugo dice, pourquoi, attention, pourquoi, c'est un seul mot, parce que, normalmente eso ya lo vimos, es un pequeño repaso esta parte, el resto es nuevo, ¿ok? Ok, très bien. Ok, mais légalement en France, comment je sais que je suis dans une association? Donc, pour encadrer, pour contrôler, OK? L'action des associations à but non lucratif en France, attention, si on dit association, on parle de but non lucratif. Eso no necesito traducirlo porque eso es súper transparente en español. Donc en France, il existe une loi depuis le 1er juillet 1901, 120 ans il y a, hace 120 años, hein? Depuis le 1er juillet 1901. C'est pourquoi les associations qui ont ces statuts sont appelées associations loi 1901. En France, le type d'association dont je parle là, ce sont des associations loi 1901. Es muy normal que escuchen eso de asociación loi 1901. OK? Cuando ustedes escuchen eso, recuerden, but non lucratif, OK? Pour aider les autres. Très bien. Les associations loi 1901 peuvent exercer ou non des activités commerciales. Attention. Néanmoins, les bénéfices, c'est-à-dire la quantité d'argent gagné, obtenu des activités commerciales, ne peuvent pas être partagés. Attention, qui dit association,
ne peut pas avoir des actionnaires. Association et actionnaires sont impossibles. Attention. Les recettes de ces activités sont soumises au régime impositif. Si on est une association et on fait des activités commerciales, on doit payer des impôts. OK? Donc, à nouveau, des mots en rouge. De nuevo, palabras en rojo. Entonces, como les decía, la loi 1000 du 1er juillet 1901 contrôle, encadre. Attention, encadrer, c'est un synonyme de contrôler. Contrôle les associations. OK? Et comme c'était une loi de 1901, on appelle ce type d'association une association loi 1901. OK? C'est une appellation pour distinguer les associations. Si ustedes miran en Wikipedia, dice que en la página de la ley d'association loi 1901, dice, se llama así para distinguirlas de el régimen de la Moselle y de la Lorraine. Porque en la región, en los departamentos de Moselle y de Lorena, que son al este de Francia, tienen otro régimen. Entonces, para distinguir, las asociaciones son según la ley de Moselle y Lorraine, y las asociaciones de 1901. Por eso uno no dice simplemente una asociación, que tiene que distinguir del tipo. ¿Por qué? Porque en esos departamentos tienen otro tipo de excepciones y de controles. Y bueno. Ok. Donc, observez les mots en rouge. Quiero que miren las palabras en rojo y que me digan por qué creen que qué son estas palabras. Díganme qué son y qué les inspira estas palabras. Los leo. Vamos a ver por qué, pero quiero leerlos primero. Alors, Rafael nos dice, pour, attention, c'est très important, hein? Pour, plus un verbe, un infinitif. Pour encadrer ER. Et si nous observons ici, pour aider ER, pour développer ER, si nous utilisons pour, il y a un indicatif, un infinitif, pardon. Très bien. Maleja nous dit connecteurs. Oui, ce sont des connecteurs. Très bien. Et Patricia nous dit palabras d'explication, des mots d'explication. Oui, c'est un connecteur logique. En français, on dit un connecteur logique qui est utile pour expliquer. Très bien. Très bien, pour éviter la répétition, oui. Très bien, Raphaël. C'est pourquoi c'est une espèce de synonyme de parce que. Vamos a ver comment fonctionne le c'est pourquoi. OK? Très bien, Derli. C'est une annonce qu'on va donner une argumentation. C'est très important. En français, c'est très important. En espagnol, también.
pero en español es muy mecánico para nosotros, pero tenemos que coger la costumbre que en francés, el francés es un idioma muy elaborado, c'est très 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 élaboré, et quelquefois il faut bien structurer et bien illustrer son discours, pardon, avec des mots, des connecteurs logiques. Okay? Aujourd'hui, nous allons voir une petite partie, hein? Après, il y a d'autres connecteurs logiques, mais je ne vais pas vous donner tous les connecteurs. No les voy a dar todos los conectores, porque la idea no es ahogarlos con palabras para aprendérselas de memoria. Porque además, atención, un conecteur a un contexte grammatical. Los conectores a veces tienen un contexte grammatical, es decir, por ejemplo, pour plus infinitif. ¿Okay? También van a ver que a veces uno puede decir, pour que, como está parce que, también hay pour que. Y ahí hay otro contexto, pero ese pour que no lo vamos a ver hoy. ¿Ok? Très bien. Donc, je passe ça. Tac, tac, tac. C'est pourquoi, attention, pour encadrer l'action des associations non lucratives, virgule. Esto es muy importante porque nosotros no le ponemos mucha atención y lo digo en español porque es muy importante. En francés, bueno, lo digo en español. En francés, ese pour, dependiendo de dónde lo pongan, tiene o no tiene coma. ¿Ok? Je vous montre. On peut faire partie d'une association. Attention, est-ce qu'il y a une virgule? Non. Pour aider les autres et pour développer de nouvelles compétences en même temps. Observez la place de pour. Miren, ¿dónde está el pour? ¿Ok? Afin de, pardon, porque también existe afin que, pero no lo vamos a ver hoy. Pour et afin de fonctionnent de la même façon. Et ce sont des synonymes. Okay? Vous pouvez remplacer pour par afin de. C'est pour la variation, pour éviter la répétition. Okay? Donc, observez la place de pour dans la phrase. Observez la place de pour dans cette phrase. Et observez que quand on commence par pour, c'est très important de mettre la virgule. OK? Si nous faisons une inversion des parties de la phrase, la virgule disparaît. Elle s'évapore. OK? Miren, ¿dónde está el pour? Porque esto, que la gente no lo hace, incluso los franceses no lo hacen, pero es un error. Si le pour commence, ici il y a une virgule. Si le pour est au milieu, il n'y a pas de virgule. Ojo, porque eso es un error frecuente incluso de franceses. Pour deuxième partie, on peut faire partie d'une association pour aider les autres. On peut faire l'inversion. On peut dire pour aider les autres, virgule. Rappelez-vous que virgule est comma. Ça, c'est une virgule, hein. Pour aider les autres et pour développer des nouvelles compétences en même temps, virgule. On peut faire partie d'une association. Attention, parce que ça, c'est important. OK? Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas acerca de ese pour? Recuerden, si pour empieza todo el bloque de la frase, siempre hay una coma. Y es exactamente igual que en español.
Patricia, no entendiste. Es como en español. Bueno, les digo la traducción porque funcionan exactamente iguales para. ¿Ok? Si ustedes comienzan una frase por para, si ustedes dicen para ayudar a los otros, uno puede hacer parte de una asociación. ¿Ok? En español, como en francés, si uno empieza con ese para, uno tiene que poner una coma entre las dos partes de la frase. Uno tiene que decir, para ayudar a los otros, esa es una parte, virgule, coma, uno puede integrarse a una asociación. Pero, ok, para, primera parte, coma, segunda parte. Pero en español y en francés es exactamente la misma cosa. Si uno utiliza ese para en la mitad, la coma desaparece. Uno puede integrar una asociación para ayudar a los otros. ¿Ok? Cuando ese para está en la mitad de la frase, ahí ya no hay ninguna coma. No sé si, Patricia, si respondí a tu pregunta. Ok. Donc, ah, il y a néanmoins, les associations loi 1901 peuvent exercer ou non des activités commerciales. Ok? Néanmoins, attention, néanmoins, c'est une. On va voir, j'ai oublié les termes spécifiques, mais c'est une espèce de contradiction. Okay? Si l'on nous aligne, pour moi, est-ce para mí, est-ce pour, P-O-U-R. Donc, les connecteurs du discours. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi. On utilise ces connecteurs pour parler de la raison de quelque chose. OK? Très bien, Luz Marina. On utilise ces trois connecteurs pour parler de la raison de quelque chose. Attention, si on dit pourquoi, c'est parce que c'est une question. OK? Si on dit parce que, c'est une affirmation. La pregunta la simbolicé con el punto de interrogación y la afirmación la representé con un punto. ¿Ok? Pourquoi c'est toujours une question? Parce que c'est toujours une affirmation. ¿Ok? Parce que, et c'est pourquoi, sont l'explication de quelque chose. Parce que, et c'est pourquoi, c'est l'explication de quelque chose. Et pourquoi, c'est la question. OK? Ça, c'est le questionnement. Et ça, c'est l'explication, les deux là. Pour et afin de. Parle de but. Un but, c'est un synonyme d'objectif. Okay? En français, on dit but. De hecho, goal, se dice but. Et goal, en anglais, es un objectif. Et en français, c'est le goal de football. Et l'objectif, se dice but. Pero también no puede ser objectif solamente para el objetivo, ¿eh? No para el goal. Et puis, il y a néanmoins qui est une opposition. Y aquí olvidé algo, y es que en este néanmoins, un sinónimo también va mais.
Ça, c'est une opposition, c'est-à-dire quand on parle d'opposition, on a deux arguments, ¿ok? Cuando hablamos de conectores, siempre estamos hablando de dos partes que tienen una relación lógica, por eso se llaman conecteur logique, ¿ok? Donc, argument A, argument B. Les associations sont encadrées par une loi de 1er juillet 1901. Ok, c'est un argument. C'est pourquoi on les appelle associations loi 1901. Si vous voyez, il y a deux phrases qui sont deux arguments. Et il y a un mot de liaison, une palabra de union, que es la que hace que entendamos por qué yo digo la una y digo la otra seguidas, cuál es la relación entre las dos. C'est pour ça qu'on dit connecteur. Parce que ça connecte. OK? Quand vous avez pour, vous avez deux phrases et vous savez que un argument est le but de l'autre argument. Tienen dos frases y uno es el argumento apoyado por el otro argumento. Y cuando vous avez néanmoins ou mais, vous avez une opposition. Par exemple, on gagne beaucoup d'argent en France, mais les coûts de la vie est très 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 cher. Hay gente que dice, ah, en Europa se gana dinero. Pero en Europa se gasta dinero. Es muy, muy caro. Muy, muy caro. Entonces, es como tener dos argumentos. Uno bueno y uno... el otro lado de la moneda. Eso es la oposición. Justamente porque es el lado opuesto. Ok. Aleida, ¿es una pregunta o es una afirmación? ¿Por qué después de me va la coma? ¿Dónde estoy? Imagino que estás preguntando por esta frase. Después de néanmoins y después de me, normalmente uno debería poner una coma por puro estilo. Ok, ça c'est statistique. La cosa es que en francés es menos común ver una coma después de me, no sé por qué, para mí hay que ponerla, porque es puro pensamiento hispanohablante. Pero después de néanmoins, sí. Después de néanmoins, normalmente hay que poner una coma. ¿Por qué? Style. Ça c'est du style. Es la inflexión, es una forma de marcar como un punto importante. Esa pausa que uno hace, es como, le da fuerza. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez deux questions par rapport au connecteur logique? Est-ce que vous avez des questions par rapport au connecteur logique, hein? Importante, cuando estudien conectores, estudienlo poquito a poquito. No se lleven la lista de una vez y se la aprendan de memoria porque esto necesita contexto, como les decía. ¿Ok? ¿Vous avez des questions? ¿C'est tout clair? ¿Ça va bien? ¿Vous comprenez? Dígame si tienen alguna pregunta, si... ¿Tienen alguna duda por el momento? Atención, porque después ya dos temas de plus aujourd'hui. ¿Eh? Tengo dos temas más para hoy, así que on y va, ¿eh? Franco.
Ok, je vois pas de questions, du coup j'imagine que c'est bien. No veo preguntas, así que imagino que estamos bien. Ok. Très bien. Vie associative. On continue avec la vie associative. Témoignage. Ça, c'est deux témoignages, deux personnes qui parlent de leur expérience. C'est le vidéo A. Un pequeño error de. Pongo esta palabra porque es importante en francés. Pequeño error de animación. Témoignage. C'est pourquoi. Tac, tac, tac. Walter, imagino que preguntas por qué hay una coma. Es para darle más fuerza al argumento, imagino. No soy muy buen semiólogo, así que no podría decirte por cuál es la fuerza del símbolo. Pero en español y en francés esas comas son casi que obligatorias. Ana, Thibaut Ana. ¿Sé por qué sirve también para una razón? Oui. Pero ojo, cuando uno dice sé por qué, obligatoriamente. L'origine est avant. Ojo, porque es muy importante la pregunta de Ana. Cuando uno dice sé pourquoi, es porque antes de ese sé pourquoi, y por eso les digo que es muy importante el contexto, antes de sé pourquoi, tienen que tener la razón que permite lo siguiente que dicen. Por ejemplo, si ustedes miran el texto, si on regarde le texte, tac, tac, era la siguiente. Tac, 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 pour encadrer, tac, 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 il existe une loi depuis le 1er juillet 1900. Todo esto, tout ça, c'est l'antécédent. OK? Ça, c'est l'antécédent. Ça, c'est l'antécédent, c'est ce que les da. Ça vous permet d'utiliser c'est pourquoi. Attention, on ne peut pas utiliser c'est pourquoi au début de la phrase. Littéralement, c'est pourquoi es por esto que. Et ustedes no pueden empezar por es por esto que sin decir el qué es esto. Les van a decir, perdón, excusez-moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi, mais c'est-à-dire, il est où l'antécédent? OK? Seulement utiliser c'est pourquoi si ça vous permet d'expliquer. OK? Si ça apparaît avant. Si esto aparece antes, usen c'est pourquoi. OK? Néanmoins, Aleida, néanmoins, te voy a decir qué es la frase y vas a entender. Les associations loi 1901 peuvent exercer una de las actividades comerciales. ¿Ok? Néanmoins, les bénéfices obtenus des activités commerciales ne peuvent pas être partagés. C'est une opposition. Parce qu'on dit par exemple, si je te dis par exemple la phrase suivante, te voy a dar un ejemplo con una frase más fácil. Esta frase es muy complicada. Je suis libre le vendredi soir. Néanmoins, je ne peut pas faire la fête. Aleida, dime si solamente con la frase, sin traducirte, la entiendes, si no la traducimos, ¿eh? Pero dime si entiendes. Je suis libre le vendredi soir. Néanmoins, je ne peux pas faire la fête. Aleida, est-ce que tu comprends pourquoi je dis ça? Pourquoi on l'utilise néanmoins?
Bah oui. Ah, no, Aleida. A menos que no. No. Yo estoy libre el viernes por la noche. No puedo irme de fiesta. Cuando uno dice que está libre el viernes por la noche, uno dice, ah, puedo irme de fiesta. Problema. No, je ne peux pas. Très bien, Rafael, très bien, Pacho. No obstante, pero, sin embargo, son todos sinónimos en español. Esa palabra, ojo que néanmoins es una palabra très, 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 très chic. En español, en francés más normal diríamos me. En español diríamos. Se me fue. Ese néanmoins lo podemos reemplazar por me. Y de hecho, cuando uno usa me, y aquí es donde es importante la coma. Cuando uno usa me, la coma va antes. En francés, quiero decir. Cuando uno usa néanmoins, siempre va después, pero cuando uno usa me, la coma va antes. Y eso es diferente en español, creo. Je suis libre le vendredi soir, mais je ne peux pas faire la fête. En francés, ahora que veo puros sinónimos, uno podría decir. Ojo, esto se puede, pero nadie lo usa, ¿eh? Es una sola palabra. Yo lo he escuchado, si la palabra existe. No, no obstant. Ningún francés les va a entender. La palabra existe en el diccionario, pero ningún francés la va a usar. No, entonces, ni lo entienden. A veces yo uso palabras que en español usamos todo el tiempo y los franceses me dicen que hablo muy, muy enredado. Donc, me. Mais ou néanmoins. Ok. Bueno, tenemos que avanzar porque ya me quedé mucho en esta parte. Llevamos 45 minutos de clase. Ay, ay, ay. Donc, de témoignage. Attention, un témoignage, c'est quand on raconte une expérience, soit devant un tribunal, soit à une autre personne. Ok? Le bénéficiaire des associations parle. Je n'ai jamais eu l'opportunité de voyager dans la terre de mes ancêtres. Los dejo leer el resto para que hagan el ejercicio de lectura, ya que no hemos hecho hace rato. Para que lean le témoignage de Thomas. Dice le témoignage de Thomas. Ok. Les doy 30 segundos para que lo lean. Ok, donc,
Ah, ya vamos a ver qué es peu. Ya les voy a decir qué es. Je n'ai jamais eu l'opportunité. Attention, eu. Recuerden que el participe passé d'avoir y todas las formas participe passé d'avoir siempre se pronuncian como si no existiera la e. Je n'ai jamais eu l'opportunité de voyager dans la terre de mes ancêtres. Je ne parle pas un mot de peul, leur langue. J'ai pu me reconnecter à mes racines grâce à l'association Les Amis du Peul 77. Je suis heureux. Thomas, 35 ans, Meaux. Attention, Meaux est une ciudad qui est dans le département 77. En France, on siempre habla del département con el número del departamento. Por ejemplo, París es el 75 y el 77 queda al ladito de París y es Seine-et-Marne, creo. Département 77. Seine-et-Marne. Y si no me equivoco, como es la ciudad capital de Seine-et-Marne, es... ¿cómo se llama esta ciudad? No recuerdo cómo se llama. Porque la otra es Corbeil-Essonnes. Ah, de ahí porque se llama Melun, creo. La capital del 77 creo que es Melun. Ok, entonces. Les amis du peul. C'est quoi peul? Peul, c'est une langue. C'est une langue africaine. OK? Entonces, miren que Thomas habla de ancêtres. No tengo que traducir la palabra. C'est ses ancêtres africains. OK? Il parle, ses ancêtres parlent la langue peul. C'est une langue de plusieurs pays africains. África es una tierra deliciosísima para los lingüistas porque tiene muchísimas lenguas. Donc, l'association Les Amis du Peul 77, c'est une association qui diffuse, fait la diffusion de la langue peul. OK? Alors, Virginie, je vous laisse 30 secondes pour lire le témoignage de Virginie. Donc, je n'ai rien fait pendant les confinements. Ah, Rafael, literalmente significa no hablo ni siquiera una palabra de la lengua peul. Dice su lengua, la lengua de los ancestros. Entonces, ahí literalmente dice, no hablo ni una palabra. Je ne parle pas un mot de peul. No hablo ni una palabra de Pearl. Ah, Clara. Va, justement, c'est le thème d'aujourd'hui, Clara. Donc, je n'ai rien fait pendant les confinements. J'ai décidé que je ferai quelque chose de créatif à la fin de cette période. Grâce à l'asso, attention, en français, on dit asso pour association. Grâce à l'asso peindre nos émotions,
J'ai pu chasser mes sentiments négatifs. Virginie, 22 ans, Pontoise. Pontoise, c'est une ville au nord-ouest de Paris, hein. Donc, qu'est-ce que vous voyez des mots en rouge? Dígame, ¿qué ven de raro en las palabras en rojo? Clara, observa las palabras en rojo. Donnez des hypothèses, hein? Donnez des hypothèses. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos hypothèses? Comment j'utilise ou quand j'utilise? C'est quoi? Dites-moi. Dites-moi. Pluriel? Je ne sais pas. Ah oui. Pacho. Très bonne observation. La terminaison de la négation est différente. Pourquoi? On va voir pourquoi. Oui, Luz Marina, c'est des négations. Ce n'est pas une négation, c'est différents types de négations. Hein? Clara, le verbe est contenu dans la négation, comme ne pas. Vous voyez la structure. Très bonne observation. Raphaël, la première personne, ce n'est pas important. L'important, c'est la négation. Okay? Donc, juste pour finir, hein, est-ce que vous comprenez les deux témoignages? Ah, très bien, John Howden. À la place de pas, on peut varier les terminaisons. Très bien, Vilma. Si j'utilise jamais ou rien, je n'utilise pas. Très bonne observation, Vilma. Miren que ¿cómo era la negación estándar? Bueno, vamos a verlo. Avant de continuer, est-ce que vous voulez que je vous dise des trucs, vocabulaire de témoignages? Vous comprenez tout? Est-ce que vous comprenez le vocabulaire des deux témoignages? Camille había dicho, Pearl es una lengua africana. Donc, je n'ai rien fait pendant les confinements, j'ai décidé que je ferai attention. Esta es una forma que no hemos visto, que c'est un conditionnel. Yo haría quelque chose de créatif. À la fin de cette période, grâce à la saute entre nos émotions, j'ai pu chasser. Attention, chasser, c'est cazar, pero también significa espantar. Claudia, grâce à, c'est une expression. C'est aussi un connecteur
Grâce à significa gracias a. C'est facile à traduire. Et rappelez-vous que asso, c'est la forme courte des associations. OK? OK, en espagnol, no lo llamamos asociaciones. OK? Lo llamamos, no, no sé cómo se dice, una organización, incluso algunos dirían ONG, pero en francés es simplemente una asociación, es una forma jurídica. ¿Ok? John Hauder, ¿cómo podemos decir proteger a alguien? Proteger a alguien es proteger quelqu'un. Ahorita te lo escribo, voy a hacer la explicación de los negativos y luego te lo escribo, John Hauder. Okay. Donc, la négation. Je ne parle pas un mot de peul. Comment ça se passe pour cette négation? Vous connaissez la négation standard. La négation standard, c'est ne, comme ici. Le verbe parler dans ces cas. Ça, c'est une négation standard. OK? Je n'ai pas parlé un mot de peul. Si on fait le passé composé, hein, attention, et les formes composées. Esto sirve non solamente para el passé composé, sino para todas las formas compuestas. Para el futur proche, par exemple, le futur proche, c'est une forme composée. Les futurs. Hay otra forma que se llama, otra forma de futuro que no hemos visto. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais si c'est une forme composée, ne plus l'auxiliaire, ok, dans le passé composé, c'est avoir, être, dans le futur proche, c'est aller, ok, pas plus participe passé. Dans le cas du passé composé, recuerden que si usamos futur proche, es aller plus verbe en infinitif. Recuerden, cuando digo forme composée, significa donde haya dos verbos. ¿Ok? Ça, c'est la négation standard. Le verbe qu'on nie. ¿Ok? Dans le cas du passé composé, on nie l'auxiliaire. Pas. Et dans les cas du passé composé, c'est le participe qui va après. Attention. Ça, c'est la négation standard. Mais il y a d'autres négations. OK? Ça veut dire tout simplement non. Yo no hablo ni una palabra de peul. No, o sea, en francés, uno en español otra vez, no hablo ni. Pero en francés no hablo una palabra. Literalmente no hablo una palabra de alemán, por ejemplo, podemos decir. Et je n'ai pas parlé un mot de peul. Es no he hablado una palabra de peul. En el caso de que ya la conozca y que no nunca la haya repetido. ¿Ok? Esas son las negaciones estándar. Traducción en español, yo no hablo, yo no he hablado. ¿Ok? Mais il existe deux types de négation. Ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus. Ces autres types de négation font une négation plus spécifique. OK? Parce que ça, c'est une négation standard. Ça dit non. OK? Mais quand on dit jamais, on nie le temps. Quand on dit jamais, c'est une négation de tiempo. O sea, dire nunca. OK? Quand on dit rien, rien, ça veut dire nada. Quand on dit personne, on dit nadie. Ojo, porque es un poco contraintuitivo. Las dos próximas son contraintuitivas. Personne es una persona, pero ne personne es nadie.
plus. Plus es más, pero ne plus es no más. ¿Ok? Ya no más. Donc, par exemple, je n'ai jamais eu l'opportunité. Nunca, nunca he tenido la oportunidad. ¿Ok? Je n'ai rien fait pendant les confinements. Je n'ai rien fait pendant les confinements. Ojo, John Howder. Ojo. Tampoco se dice non plus. Non plus. Non, ne plus. No es la misma cosa. Je ne vois personne le week-end. Je ne vois personne le week-end. Esto lo podríamos traducir para entenderlos en nuestra lógica. Yo no veo ni una sola persona el fin de semana. Je ne vois personne le week-end. Je ne souffre plus d'anxiété. Je ne souffre plus d'anxiété. C'est fini l'anxiété. C'est fini. Je ne souffre plus d'anxiété. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Después, Clara, te voy a decir la diferencia entre grâce et à cause de. Ok. Igual que lo que vimos con John Howder. Est-ce que vous avez des questions sur ce type de négation? Il existe d'autres négations, mais aujourd'hui, l'important, c'est de savoir comment ça marche avec quatre négations différentes. Pour les autres négations, c'est exactement la même chose. Solo vimos estas cuatro porque no quiero ahogarlos. Pero hay otras negaciones y funcionan de la misma forma. Por ejemplo, hay una que es apenas, en francés es una negación. Como yo corro apenas una vez a la semana. No. No hago apenas la limpieza. Es decir, yo la hago muy poco. Como sinónimo de apenas de muy poco. Ese es ne guère. Pero eso es muy... ¿Ok? ¿Es que vous avez d'autres questions sur les formes différentes de ne pas pour la négation? ¿Tienen otras preguntas? De la négation. Ah, ne que. Ne que. Bueno, voy a ir a la diapositiva de las explicaciones. Explicaciones. Entonces, sí, comienzo con las negaciones. John Howder nos dice ne que. Atención. Ne que, c'est un synonyme de seulement. Attention, ne que, c'est un synonyme de seulement. Ok? Si par exemple vous dites je ne travaille que le week-end. Ok. Je ne travaille que le week-end. C'est un synonyme que je travaille seulement le week-end.
C'est exactement la même signification. La forme est différente, mais la signification, c'est la même. OK? Non plus. C'est une négation aussi. Mais attention, c'est l'antonyme, c'est le contraire. Non existe la parole antonymo. C'est le contraire d'aussi. Pardon. C'est le contraire d'aussi. Donc, attention, c'est la forme négative d'aussi. Passe bien. La forme négative de aussi. Vois bien que si est un bien, et en espagnol, nous ne commettons ese error, pero en francés lo cometen todo el tiempo. Je ne travaille pas le week-end, par exemple. Je ne travaille pas le week-end. Par exemple, il y a Marie. Marie qui dit, je ne travaille pas le week-end. Il y a Alexandre. Rémi. Pienso en mi amigo Rémi, que como mi amigo Nicolás me ha ayudado con voces. Moi non plus. Attention, comme ici il y a une négation, comme ici il y a une négation, je fais une inclusion. Moi, je m'inclus dans la négation en disant moi non plus. Problème. Les Français, ils disent moi aussi. Moi aussi, sous-entendu, je ne travaille pas le week-end. Ojo, y lo digo en español porque es muy importante. Esto lo van a escuchar, pero es una falta del francés. Uno en español no comete el error porque en español es súper claro que si es una negación es una cosa negativa, si es una afirmación es una forma positiva. O si también es una forma positiva y no plus es una forma negativa, tampoco. Tampoco. Salvo que los franceses dicen, ah, yo no trabajo los fines de semana. Y alguien les va a responder, ah, yo también. Para nosotros en español no funciona. Pero para los franceses ellos a veces olvidan que o sí es positivo y que non plus es negativo. Por eso es una negación. Ok. ¿De cuestión? Bueno, ahora voy a responder a dos cositas que me preguntaron. Ya no sé. Proteger a alguien. En francés se dice protéger quelqu'un. No existe protéger a quelqu'un, no. Protéger quelqu'un. Y Clara me preguntaba la diferencia entre grâce à et à cause de. Grâce à, c'est positif. À cause de, c'est plutôt négatif. Attention, grâce à, quand on utilise grâce à, c'est parce que l'idée est positive. Mais quand on dit à cause de, l'idée est négative. Par exemple,
Estoy pensando en una frase, pero es que es demasiado complicada. No, no para decirlo, sino porque el sentido es complicado. Pero cuando uno dice gracias a, uno está diciendo gracias a. Y como es gracias, es positivo. Y cuando uno dice a cause de, está diciendo a causa de, literalmente, pero la idea detrás es por culpa de. On peut utiliser à cause de dans un sens positif, mais c'est un peu bizarre. OK? La frase de Diana Patricia, muy bien. He podido ahorrar gracias a que tengo un buen salario. Entonces, en francés uno diría: J'ai pu faire des économies grâce à mon salaire, à mon bon, grâce au fait que j'ai un bon salaire. En francés no dice gracias a que tengo un buen salario, sino gracias al hecho de que tengo un buen salario. Entonces lo simplifico. Grâce à mon salaire. Pero uno no puede decir a cause de mon salaire, ça va être un peu bizarre pour un français. Par contre, uno dit j'ai eu beaucoup de dépenses à cause de mes problèmes de santé. Voyez la différence. Grâce à, c'est un sens positif. Et à cause de, on dit problème négatif. Très bien. À cause de la pluie, je me resfriais. Bah oui, Béatrice. À cause de la pluie, j'ai attrapé un rhume. Grâce à. Ah, voilà Gladys. Merci Gladys. Grâce à David, Bibi, hein, mon français est meilleur. Du coup, vous voyez la différence. Et última pregunta, porque llevamos 1h14 y me falta un tema que es muy importante. Cuidar es. Cuidar en el sentido de cuidar algo es. Garder, pero también se podría decir proteger. Pero si es como cuidar un niño, uno dice garder un enfant. Très bien. Ah, désolé, John Howder. Je ne peux pas faire des économies. Attention, ahorros c'est des économies à cause de mon salaire en Colombie. Désolé. Et c'est un très bon exemple. OK. Très bien. Tac, tac, tac. Tema final. Bueno, tenemos 15 minutos para el tema final, 14. La visión de la asociación Pendre les émotions. La visión. Atención, cuando on parle de visión, on parle de futur. C'est là où intervient notre dernier thème d'aujourd'hui, le futur. Donc, je vous laisse 30 secondes pour lire le texte. La asociación no existe, ¿eh? Las dos asociaciones que mencioné no existen. Podría hablar de LinkedIn, pero
No quería abusar del espacio. LinkedIn, Facebook, ¿qué cosa? ¿Es de LinkedIn? Donc, je lis. En 2025, l'association Peindre nos émotions sera reconnue comme un pilier fondamental de la santé mentale des Français. Nous aiderons, recuerden que esa E puede desaparecer, por eso yo no la pronuncio. Yo vivo en París y aquí casi no la pronunciamos. Nous aiderons des adultes et des jeunes à exprimer leurs émotions. Ainsi, ces populations pourront prévenir des troubles psychologiques. Les activités que nous développerons seront reconnues dans toute la France et serviront de modèle pour d'autres associations en Europe et dans le monde. Est-ce que vous avez des questions sur le vocabulaire déjà? Sur le vocabulaire. Ok. Ainsi, c'est muy facile, ainsi, synonyme de cette manière, ainsi, un synonyme, c'est de cette manière, trouble, comme en anglais, problème, c'est problème. Donc, des problèmes, tac, tac, tac. Des problèmes psychologiques. Mais ça, trouble, ça a un sens plus médical. Quand on dit trouble, c'est un sens un peu plus médical. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez le futur? D'ailleurs, D'ailleurs, si John Howder. D'ailleurs, significa de otro lado, como además. Les autres connecteurs développeront. Développer, c'est desarrollar. Et sa termination, je veux que vous me disiez quels verbes sont en futur. Dígame qué verbos están en futuro. Dígame cuáles de esos verbos están en futuro.
verbes sont en futur. Aideront, pourront, seront, sera. Ah, très bien, Johanna. Sera, verbe être. Pour nous, c'est facile. Reconnu, nanovilm. Reconnu, c'est un participe passé, hein, utilisé comme un adjectif. Aideront, très bien. Tac, tac. Blanca, clase de prononciation, no doy clase de prononciación, pero quiero hacer un atelier antes de terminarse las clases de pronunciación. Tengo que encontrar el tiempo. Y la idea es hacer un atelier como los que han hecho con Arthur, pero de pronunciación. Ojo que será reconnu, será es una forma futura y reconnu, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Nous aiderons, pourront développeront, seront reconnus, pourront, serviront. Très bien. Comment je fais ces formes? Pero, les voy a poner en rojo, hein? Será. Quiero solamente que piense, dígame des hypothèses, hein? Donnez-moi des hypothèses, comment je fais le futur. Ainsi, ces populations pourront des activités que nous développerons et serviront. En Europe et dans le monde. Claudia, très bien. Claudia nous dit l'infinitif plus la terminaison. L'infinitif plus la terminaison. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, très bien, Béatrice. Mais il y a des exceptions. Comme être, sera. On va voir. Donc, maintenant, tac, tac. Donc, observez bien. Sera, aideront, pourront, développeront, serviront. L'art exprimera les émotions. Nous aiderons des adultes. Nos activités serviront de modèle. Ah, Aleida, très bien. Donc, exprimera, aideront, serviront. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Aleida nous dit, c'est les verbes avoir. Aleida nous dit, c'est les verbes avoir. Donc, le futur simple est très simple. Hein? Si ustedes piensan, van a ver que es muy fácil. Exprimer, servir, aider. Ça, c'est les verbes à l'infinitif, comme on nous a dit. Mais, j'ai... Tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ah, ok. Ok.
Donke, vamos a hacer rápido porque necesitan el canal para la transmisión. Donc, c'est l'infinitif du verbe plus le verbe avoir. Mais attention, pour nous, c'est seulement ONS et pour vous, c'est seulement EZ. Seulement. OK? J'exprimerai mes émotions. Tu aideras les gens. OK? Donc, vous prenez les terminaisons et pour... Aquí no se los puse porque quería mostrarles primero esto. Nous et vous, c'est seulement la terminaison. OK? Et pour finir... Para terminar, porque solo tenemos un minuto de clase. Tac, 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 tac. Vean que es súper fácil. Si ustedes se ponen a pensar en español, ¿cómo es? Terminar e, yo he. Tú has, terminar has. Terminará, terminar a. Es exactamente la misma forma. ¿Ok? Entonces, para terminar, porque ya nos tenemos que ir, il y a des formes irrégulières. Aller, c'est ir. Venir, c'est viendre. Voir, c'est vers. Pouvoir, c'est pour. Devoir, c'est devre. Vouloir, c'est voudre. Faire, c'est faire, écrit différemment. Être, c'est ser. Et avoir, c'est or. J'irai mardi au bureau. Nous ferons les courses demain. Michael n'aura pas le temps. N'aura pas de temps pour venir. Et voilà, et comme ça finit notre cours. Merci beaucoup. Il est 20 h pratiquement. Désolé. On se voit dans 2 semaines. OK? Recuerden que le jueves, c'est ça.